وفي الفن نشطة مغنية راب الفرنك وجزائرية ريمكا ندوتا صحفية قبيل أحيائه لحفل فني اليوم في افتتاح مهرجان تيمغاد الدولي. ريمكا أكد أن مهرجان تيمغاد لديه صدى عالمي وهو متشوق للقاء جمهوره في الجزائر بعد غياب كبير، وتحدث أيضا عن سولكينغ حيث وعد جمهوره بإنجاز عمل فني معه في المستقبل يتحدث فيه حول الجزائر وأوضاع المهجر. La première fois qu'on est venu jouer en Algérie, c'était au 5 juillet à Alger. Et depuis, on est venu peut-être 30 fois ou 40 fois à faire des concerts dans le pays. Et à chaque fois, c'est toujours un honneur, c'est toujours une fierté. C'est comme si c'était la première fois qu'on venait jouer. Et puis, il faut dire la vérité, le public algérien, il est magnifique. Donc, quand on vient ici, on sait déjà qu'on va passer un bon moment sur scène. Et puis le festival de Tiemgad, il faut savoir que même en France ou en Afrique, beaucoup de gens connaissent ce festival, parce que c'est vraiment un festival historique, on va dire. C'est vrai. On s'est rencontrés pour quelque chose de bien, pour une association pour les handicapés en France. On a eu l'occasion de se rencontrer, et le courant il est tout de suite passé, parce qu'on est des frères. Et donc... Inch'Allah, c'est prévu, c'est ce qu'on s'est dit, on a prévu de faire quelque chose. Ouais. Bah, moi, là, je suis en Algérie, lui, je sais qu'il était en Tunisie. Il va venir en Algérie le 22 août. Il vient le 22 août, ouais. Donc on va essayer de trouver dans les plannings un jour qui convient, essayer de faire un beau morceau, mais je pense que ce sera lié à... La situation. Ouais. À la situation, à l'Algérie, ou l'immigration.